Franchement, les Chinois, on les voit, on les devine partout. Quand vous allez dans le Maghreb, on vous dit cette usine, c'est quoi? Ben, c'est les Chinois qui l'ont construit. Et la route à côté, c'est les Chinois. En et Afrique, ainsi de suite. Donc, faut-il avoir peur? C'est une excellente question. Et pourquoi Jean-Pierre Raffarin, ça fait un bout de temps qu'il connaît le sujet. Ah oui, oui, oui. Bah, on verra donc ce qu'il en dit demain. Il y a sans doute du pour et du contre. Mais oui, c'est vrai que cette conférence qui s'appellera La Chine hors de Chine, lui, c'est un spécialiste. Hein. Il adore ça depuis très, très longtemps. On va le voir. Regardez, déjà en 2008, il est en compagnie du Premier ministre chinois de l'époque. Alors, Jean-Pierre Raffarin, c'est un intermédiaire précieux entre les deux, parce qu'il faut faire des affaires avec la Chine, mais tout le problème est de savoir si on peut faire des affaires avec la Chine sans nous mettre en danger. C'est un peu le risque, parce que depuis des années, vous savez que la Chine est l'usine du monde, on leur achète énormément de choses. Du coup, c'est un pays qui s'est enrichi, il dispose désormais d'une somme d'argent énorme, puisque le monde entier paye pour acheter leurs produits. Et donc, ce qu'on appelle les réserves de change, donc l'argent que le Pékin a sous la main, comme ça, quasiment en liquide, c'est 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, vous imaginez? Alors, c'est le numéro un en la matière. Hein. Ces 3 000 milliards, ils peuvent les utiliser quand ils veulent. C'est de très loin le pays le plus riche de ce point de vue. Très, très loin devant ceux qui arrivent juste ensuite, c'est-à-dire les Japonais, les Saoudiens, les Suisses. Et je ne parle même pas de nous autres pauvres Européens et Américains. Donc, cet argent, évidemment, c'est une puissance redoutable selon ce qu'on en fait. Mmh. Ils le stockent chez eux ou ils le mettent sous forme de produits qu'ils développent à l'étranger ou dans les banques même Non, non, c'est vraiment, quand je dis dans le coffre-fort, c'est vraiment ça. Ah, c'est soit des billets, des dollars, tout ou soit ce qu'on appelle des bons du trésor. Enfin, c'est du liquide, quoi. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce liquide quand on est la Chine? Eh bien, effectivement, elle fait de la Chine hors de Chine. La Chine, c'est-à-dire qu'elle rachète, regardez. Je vous rappelle, par exemple, on a tendance à l'oublier, que désormais, Peugeot Citroën est en partie chinois. Le constructeur chinois Dongfeng est devenu un des premiers actionnaires de PSA. Les Chinois rachètent vraiment un petit peu de tout. Ils rachètent des terres agricoles, aussi bien du vignoble, de la production céréalière. Vignoble, bordelais. Aussi bien des élevages pour la viande en Europe, en Amérique, en Afrique. Alors évidemment, on ne crache pas sur cet argent. Il ne faut pas forcément cracher sur cet argent. C'est le commerce international. Regardez, quand une entreprise métallurgique dans l'ouest de la France est sauvée de la faillite par de l'argent chinois, c'est très bien. Bravo, c'est très positif. Le problème, c'est que ça peut aller très très loin. Regardez, ils rachètent même des éléments stratégiques, des ports, le Pirée, des ports en Italie, en Espagne, en Belgique. Donc là, ça commence à devenir un peu les intérêts stratégiques de l'Europe. Et l'ennui, c'est que, je ne vous l'apprends pas, la Chine n'est pas une démocratie, c'est un pays plutôt dictatorial. Même quand c'est des entreprises privées qui investissent chez nous, le gouvernement chinois n'est jamais très 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 loin. Oui, oui. Et ça peut poser un problème dans la mesure où ils ont aussi une politique expansionniste. Regardez, de plus en plus, la Chine annexe des territoires autour d'elle, ce qui inquiète beaucoup ses voisins. Elle se fiche totalement d'ailleurs des revendications de ses voisins en la matière. Là, vous voyez, ce sont des îles au large de la Chine. Pékin y installe des bases militaires. Ses voisins, notamment les Philippines, protestent en disant « Mais attendez, c'est pas à vous, on peut discuter ». Non, non, on ne discute pas. La Cour internationale de la Haye a condamné la Chine, mais Pékin a déclaré qu'il continuera de toute façon. La Chine a un énorme complexe militaro-industriel. C'est une puissance atomique, ce qui n'est pas le cas de ses voisins, les Philippines, le Vietnam ou Taïwan. Donc évidemment, ils font pas le poids. En fait, la Chine considère que la totalité des îles et de ce qu'il y a au large de ses côtes, c'est chinois. Regardez cette carte. Vous voyez la ligne rouge, c'est l'interprétation chinoise de la frontière. C'est-à-dire que tout leur appartient. Ça va loin, ça veut dire. Oui, ça va très très loin. Alors, les autres couleurs, c'est ce que disent les autres. Non, non, la frontière, elle est ici, elle est là. Non, non, les Chinois disent non, non, ça, c'est à nous. Et je vous le disais, quand même, la Cour internationale de la Haye a condamné cette interprétation chinoise, mais ça ne change rien. Donc, expression à double sens, que la Chine hors de Chine, puisque c'est très bien quand ça nous sauve des entreprises de la faillite. Ou des clubs de foot. Ou des clubs de football, au hasard. Mais ça peut parfois aller un petit peu loin.